Donc je vous propose de commencer l'après-midi avec l'atelier donc éducation et traitement automatique du langage. Donc alors à l'ordre au programme il y aura donc deux interventions. D'abord Colin de la Guerra qui est à ma gauche et puis ensuite donc on écoutera Pierre Martinez qui est en ligne comme vous l'aurez dit à distance. Il avait un empêchement pour être des nôtres aujourd'hui. Et donc, on diffusera donc son intervention préalablement. Alors, la règle de principe, une vingtaine de minutes pour chacun des intervenants, et puis on aura une vingtaine de minutes après pour dialoguer. Alors, concernant Colin de la Guerra, donc il est professeur en informatique à l'Université de Nantes. Ses travaux portent principalement sur l'apprentissage automatique, et notamment et en particulier l'inférence grammaticale. Et il travaille aussi autour des techniques qui permettent d'obtenir donc automatiquement une grammaire et un automate à partir de connaissances sur un langage ou une langue. Voilà. Donc Colin en plus est donc président fondateur de la Société informatique de France et il travaille sur de nombreux projets, notamment le projet ClassCode, dont le but de ce projet, je vous rappelle, est de former au code et à la pensée informatique les enseignants, d'une manière générale, les éducateurs du système éducatif français. Et il est actuellement donc titulaire de la chaire UNESCO en ressources éducatives libres et intelligence artificielle, toujours à l'Université de Nantes. Donc, Colin, on va vous écouter une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, donc, il y aura bien entendu des questions. Merci. Ça marche? Oui, je crois que ça marche. Bon, très bien, moi je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être l'informaticien de service. J'ai entendu de tout sur les non-sciences humaines ce matin. Je vais essayer de montrer que on est capable de faire preuve d'ouverture, même si je pense qu'en vous écoutant, qu'un certain nombre des défauts que j'ai vus ce matin vont se retrouver à travers les slides. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps en ligne, pendant que vous exposiez, changer mes transparents. Donc le titre, ça explique ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de faire des liaisons entre éducation et intelligence artificielle, donc pas très loin de ce qu'on a vu ce matin. Alors si je clique au bon endroit, il se passe quelque chose. Donc j'ai plein de remerciements, je vais devoir juste dire que le slide est là pour que les gens se sentent remerciés. Et je vais même aller plus vite que ça. Donc intelligence artificielle, je ne vais pas faire trop résumer, sauf que je vais mettre en avant deux éléments qui sont importants, parce qu'ils expliquent un certain nombre de choses, qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a cette urgence. Ce matin, il y avait ce discours qui disait « c'est embêtant d'aller si vite, on aimerait bien pouvoir prendre un peu plus de temps pour faire les choses ». Mais je vais essayer d'expliquer qu'il y a malheureusement urgence. Alors déjà, sur une des choses qu'on a entendues ce matin, sur le fait qu'on n'est pas d'accord, la réponse est « c'est vrai ». On n'est pas d'accord sur ce que c'est. Les scientifiques, on n'est pas d'accord. Et ce qui est, je ne sais pas si c'est plus inquiétant ou plus amusant, c'est les grandes institutions ne sont pas d'accord. Si vous allez commencer à gratter la définition de l'UNESCO, la définition de l'UNICEF, la définition de l'OCDE, la définition du Conseil de l'Europe, la définition de l'Europe, vous allez trouver des choses vraiment très différentes, selon les cas, en mettant l'homme au centre de l'équation. Dans d'autres cas, comme l'UNICEF va éviter d'utiliser même le mot intelligence, qui est un mot qui embête beaucoup, donc on n'a pas du tout envie de l'utiliser. Et puis, bon, là, j'ai quand même mis un peu une définition historique. John McCarthy, c'est supposé être la personne qui avait inventé le terme IA. Donc, voilà aussi comment il le définissait. Mais si je mets ça, c'est pour dire que, effectivement, c'est mouvant. Quand j'essaye d'expliquer, je dis qu'il y a deux définitions, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est la dimension technico-scientifique, et j'ai envie de dire les spécialistes de l'IA se reconnaissent et savent ce qui est ou ce qui n'est pas. On va regarder les algorithmes et puis on est capable d'eux. Mais pour ça, il faut ouvrir la boîte. Puis il y a l'autre qui est quand même celle du reste, c'est-à-dire des gens quand on le regarde,
et où on se dit, bah, ça a l'air impressionnant ce que fait cet algorithme, cette machine, ce système, et peut-être que bah, c'est quelque chose que j'appellerais intelligent. Donc, comme approximation, bah, j'utiliserai le terme intelligence artificielle parce que bah, finalement, c'est une machine qui fait quelque chose que je qualifierais d'intelligent. Donc, je ne suis pas très très loin de la définition de McCarthy en première approximation. D'accord, c'est en tout cas quand j'essaye d'expliquer à un enseignant comment est-ce qu'il fait pour savoir si ce qu'il utilise c'est de l'IA ou pas, bah peut-être qu'on peut en rester là. Alors ça c'est la définition de l'OCDE, ils ont fait fort. Leur définition est un slide avec des flèches dans tous les sens. Mais c'est probablement la meilleure. Mais pour arriver à ça, bah, il faut faire plus. Donc peut-être un truc important, c'est que ça pèse des milliards. Ça pèse des milliards, et si on regarde le classement Forbes des plus grandes entreprises, on va trouver bah, les entreprises qui font de l'IA. Et si je regarde le classement Forbes des hommes les plus riches de la planète, là c'est le dernier classement, bah, on va trouver que 8 sur 10 sont des fortunes qui sont bâties autour de l'IA. Si je regarde là-dedans le numéro 8, Warren Buffett, qui est connu comme un grand investisseur, bah, sa caractéristique, c'est d'avoir découvert le premier qu'on pouvait utiliser du machine learning pour justement pouvoir prédire les cours de la bourse. Ah, donc, en fait, on va retrouver l'IA comme une constante sur le comment on fait ça. Alors, si je dis ça, c'est pas pour encourager les étudiants à devenir des futurs spécialistes en IA. Si je mets ça en avant, c'est pour dire qu'on va avoir cette pression. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup d'argent dans les investissements, et on a sur ces technologies des gens brillants. Les Amazon, les Google, les Facebook sont en train de recruter des gens absolument brillants pour travailler, et ils vont très, 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 très vite. Donc, cette vitesse, les universitaires informaticiens ont essayé de le suivre, et c'est assez logique qu'on soit un petit peu, malheureusement, dans l'urgence. Alors, on n'est pas les seuls à être dans l'urgence. Alors, IA et éducation, ben, c'est aussi une industrie. Donc, ce n'est pas juste une question où on se pose comment est-ce qu'on peut éduquer. Ce sont aussi des chiffres faramineux et dans une augmentation faramineuse. Donc, plutôt que de savoir combien d'argent il y a là-dedans, si je regarde les capitaux risques, c'est-à-dire combien les gens sont prêts à parier sur ces entreprises, et ben, alors j'ai mis source entre parenthèses parce que c'était un lien et on cliquait dessus, mais là, on ne clique plus. Et donc, je peux vous le donner. Donc on voit une augmentation de ces entreprises, on voit des unicorns, des unicorns, donc ces entreprises qui sont déjà valorisées à 1 milliard de dollars, c'est pas par hasard là non plus, c'est que des gens ont décidé que c'était un grand marché, donc il y aura des choses qui vont se passer là-dessus. Et en face, bien sûr, il y a des vrais besoins. Il y a des besoins, des choses qu'on, le corps enseignant ou les enseignants ou le système d'enseignement est un petit peu fatigué sur un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à faire. On s'essouffle. Il manque des enseignants dans des disciplines ou il manque des enseignants dans des pays. Ça ne veut pas dire que l'IA va y répondre. Ça veut dire qu'on va nous expliquer que l'IA peut y répondre. D'accord? Et que vous pouvez mettre une chose en face, c'est-à-dire les investissements et les besoins, et puis dire, ben, il y a une causalité qui n'a aucune idée d'être, mais qui va arriver là-dessus. Et puis peut-être quand même un troisième point qui va expliquer aussi les choses, c'est vrai qu'on est dans un 21e siècle en accélération, sur lequel on a l'impression que les compétences d'hier sont déjà dépassées, et où on se dit, ben, c'est compliqué d'embaucher des enseignants, et que de se dire qu'ils vont être là dans la durée. Donc est-ce que quelque part l'IA peut accompagner leur travail? Bon, ce sont des questions qui sont posées. Alors qui s'intéresse à cette question? Alors pas mal de gens, et je voulais sur ce transparent montrer que ben, il y avait les grandes organisations internationales. Et avec tout ça, c'est des rapports qui ont été publiés ces 12 derniers mois. Donc, en bas à gauche, c'est des rapports de l'UNESCO. La bonne nouvelle, c'est que vous les avez en anglais et en français. En haut, un rapport passionnant qui est paru il y a 15 jours sur Artificial Intelligence and Education, lui, mais qu'en anglais. Mais c'est du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe s'intéresse aux droits de l'homme, s'intéresse à la démocratie, s'intéresse à l'état de droit et s'intéresse à la question de qu'est-ce que éducation plus IA plus état de droit, qu'est-ce que vous avez quand vous mélangez tout ça. Et donc là, ils ont mis en place un groupe de travail et puis il y a eu une journée pour discuter, pour présenter leur rapport il y a 15 jours à Strasbourg. C'était passionnant. Et donc voilà, donc il y a un très beau rapport qu'on peut attraper sur le web. Celui de droite qui est caché par Monsieur Martinez, c'est un, ben ouais, vous avez là-dessus, c'est le rapport qui lui est sorti là, il y a même chose, il y a 10 jours à peu près, par la Commission européenne, et qui est un rapport sur, alors après tout ce qu'on a entendu ce matin, et ben sur des ethical guidelines, donc même pas peur, hein, là ce que vous avez dit qu'il fallait surtout pas faire, ben, eux, bon, ils y sont allés, ils ont publié un rapport qui s'appelle Ethical Guidelines sur l'utilisation dans l'éducation. Et s'ils le font, c'est qu'il y a urgence. D'accord? S'ils le font, tous ces gens-là, tu veux que je bouge, monsieur Martinez. Voilà. Et, Je m'aide.
Donc, ah mince. Voilà, donc c'est juste dire que c'est cette notion d'urgence qui est vue par ces pouvoirs publics qui va effectivement irriter probablement au niveau de la philosophie, on peut dire, mais vous allez beaucoup trop vite. Dans les guidelines, il y a des bêtises, d'accord ? Mais il y a l'impression que si on les fait pas, c'est aussi la porte ouverte à l'industrie qui va juste arriver. En fait, les guidelines, ils sont supposés être écrits pour les teachers, mais quand je discute avec les gens qui les ont écrits, c'est aussi écrit pour l'industrie. C'est-à-dire que nous, on est en train de dire aux enseignants que voilà le genre, voici le genre de choses qu'il faut surveiller quand vous allez prendre des outils IA. Autrement dit, vous, les constructeurs, bah, vous avez intérêt à commencer à prendre un temps d'avance et à vous dire que comme pour RGPD, on va vous attendre là-dessus. Bon, donc il y a eux, et puis bon, il y a des chercheurs, et il y a des groupes, dont par exemple le projet AI for Tea. J'étais obligé de m'échapper ce matin pour une réunion de ce projet, AI Artificial Intelligence for Teachers, qui est un Erasmus+ Key Action. Alors les Key Action 3, c'est des trucs qui sont pilotés par les ministères. D'accord ? Donc c'est piloté par qui ? Mais on va trouver le ministère de l'Éducation nationale en France, et puis leurs équivalents en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Slovénie. Et le but, c'est de faire quoi ? Mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on dit aux enseignants et d'arriver à des choses concrètes, c'est-à-dire d'imaginer une formation des enseignants avec en priorité, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, mais c'est les profs de mathématiques et les profs de langue. Donc, qu'est-ce qu'on leur enseigne ? Qu'est-ce qu'on est capable de leur enseigner ? Et donc, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille pour monter à la fois un MOOC et à la fois un textbook. Donc, moi, j'étais responsable du textbook, donc un livre de référence. Et derrière, eh ben, des formations et des tests qui vont avoir lieu à partir du mois de janvier. Donc le but, c'est quand même de tester sur 1 millier d'enseignants pour voir un petit peu ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Et ça a donné lieu à d'énormes débats sur, justement, c'est pas du tout clair, qu'est-ce qu'il faut enseigner, jusqu'où, quels sont les... est-ce qu'il faut enseigner à utiliser, est-ce qu'il faut enseigner à se méfier, est-ce qu'il faut faire attention. Enfin bon, il y avait beaucoup de questions qui sont derrière. Donc on va trouver des évaluateurs, on va trouver des laboratoires de recherche des différents pays qui sont là. Alors, l'objectif, c'était donc de créer une formation des enseignants et puis de tester cette formation et de rendre public l'ensemble. Pour l'instant, on ne peut rien rendre public parce qu'il faut faire des expérimentations, pas tout à fait à l'aveugle, mais avec une population témoin. Donc, tout le matériel pédagogique doit être sous clé jusqu'à ce qu'on ait fini l'expérimentation, mais ce sera rendu public après. Donc, juste quand on se demande qu'est-ce qu'on veut faire pour enseigner, eh ben, en fait, on est arrivé à 5 objectifs. Donc, il faut de toute façon initier de façon générale à l'IA. J'ai entendu ce matin, mais expliquer au moins faire la différence, effectivement, entre les données, les algorithmes, un certain nombre de mots-clés qui vont revenir et quel est le rôle de ces choses-là. Donc, ça, on va dire, ça va un peu de soi. Deuxièmement, il faut expliquer quels sont les outils IA qui existent ou qui vont exister. Sans en nommer, sans dire voici l'outil que tu peux utiliser, parce que bon, on n'est pas très sûr qu'il y en ait vraiment des qu'on peut faire. Mais comme c'est en train d'arriver, que ça va arriver ou que c'est déjà arrivé, ben, faut leur expliquer que bon, ils vont avoir des outils pour gérer, j'ai entendu le terme aussi ce matin, la personnalisation, qu'ils vont avoir des outils pour gérer des corrections ou le travail en français, d'autres outils pour gérer le travail en mathématiques. Donc comment fonctionnent ces outils, un peu quels sont les algorithmes qui sont derrière, des choses comme ça. Alors ça, c'était au départ. Quand on a écrit le projet, on avait essentiellement ces deux-là. Et puis il y en a 3 qui sont arrivés très vite, c'est les 3 les suivants. Le troisième sujet, c'est « Et le reste de l'IA, quelle influence sur l'éducation ?» On s'est très vite rendu compte que Google Translate ou DeepL n'a jamais été conçu pour l'éducation, mais avait un rôle colossal dans l'éducation. C'est-à-dire que vous discutiez avec les profs, les collègues de collège ou de lycée qui enseignent aujourd'hui l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et puis c'est la même chose dans les autres pays. Et c'est dans certains cas un adversaire, dans de rares cas un allié, en tout cas c'est une présence, la présence c'est pas le bon mot, c'est un objet encombrant qui est dans leur paysage et qui ne peuvent pas ignorer. Donc c'est bon, même chose pour un moteur de recherche, le moteur de recherche va être utilisé de manière systématique par les élèves ou par les étudiants, et donc eh bien, comment l'utilisent-ils, qu'est-ce que ça signifie, quels biais vont apparaître à travers leur recherche, pourquoi est-ce qu'il y a des biais, enfin il y a toute une série de questions qui se passent. Donc le quatrième est encore plus compliqué. C'est de se dire, mais qu'est-ce que ça change finalement, qu'est-ce que ça va changer sur l'éducation elle-même? Là, on commence à voir des choses sur les examens. On commence à voir l'apparition d'objets comme GPT-3 et des outils qui sont capables de rédiger des textes, des rédactions. Il suffira de savoir si c'est bien, enfin, c'est pas bien, ça c'est un autre problème. C'est, on voit apparaître ce genre de choses-là qui font qu'on va se retrouver questionné nécessairement sur des choses dans lesquelles le système finalement s'accommodait, c'est-à-dire ben, effectivement les devoirs, les examens,
Mais il y a pire, la motivation elle-même. Quand l'IA est capable de faire quelque chose et que le fait tellement bien que l'élève se dit « mais ça sert à quoi que je l'apprenne ?» D'accord ? Donc ça va être un enjeu que le système va devoir prendre en pleine place. Alors je sais, le O5 fait les nombreux aspects esthétiques, alors c'est pile poil ce qui était dit ce matin sur l'esthétique, je le mets à la fin. C'était un grand débat, c'était de savoir si on le mettait un peu partout, si on le mettait à la fin, en fait on l'a mis un peu partout. Là c'est juste en tant qu'objectif, objectif, il faut en parler, c'est pas que éthique, on veut aussi parler des enjeux économiques, et que bon, bah, quelque part bah, l'enseignant soit conscient de toute une série de choses. Donc rapidement quelques éléments d'analyse. Donc le premier c'est celui-là, c'est qu'il y a malheureusement un petit peu urgence, c'est-à-dire que l'IA fait partie d'eux. Quand le projet a démarré, le ministère ou les ministères étaient persuadés qu'on était en mode comme d'habitude. Nous au ministère, nous avons des choix à faire. Est-ce que quelque part on veut introduire l'IA ou pas? Puis ensuite on a dit non, pas du tout. C'est pas ça la question. D'accord. L'IA elle est déjà là. D'accord. Elle est déjà là. C'est-à-dire les élèves y ont accès et pour différentes raisons, les outils sont en train d'arriver. La même chose se passe en maths. Il y a des trucs en maths avec mon téléphone portable. Je prends une photo de l'équation et puis j'ai la solution. Et en plus, en fonction du type de correction qu'utilise le professeur. D'accord, GPT-3 est capable aussi de rédiger des réponses à des problèmes de maths, des problèmes de robinet, vous vous rappelez, les problèmes de robinet. Donc on a tout ça là-dessus. Alors on a des choses qui arrivent, tout n'est pas négatif, il y a des trucs absolument géniaux. Par exemple, l'accessibilité qui est un gros enjeu. Aujourd'hui, ben, la moindre vidéo, ben, l'IA permet d'avoir une traduction automatique de la qualité qu'on veut, mais on l'a déjà, d'accord, qui permet à tous les élèves de l'avoir. Idem pour des images. Vous avez des images dans des textes sur Internet. Ben vous pouvez avoir une explication calculée par IA de qu'est-ce qui est dans cette image. D'accord? Ce qui fournit quand même des avantages qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a quand même beaucoup de choses positives qui arrivent, mais c'est déjà là. Je garde ça pour après. Si j'ai besoin de montrer ce genre de vidéo, là, c'est juste une vidéo, mais c'est sur l'enseignement des langues, ou plutôt sur la langue. Je vous le décris, puis je vous regarderai avec le lien ou pas. L'idée, c'est que aujourd'hui, on est capable de faire des technologies end-to-end, c'est-à-dire, ça se passe quelque chose. Je modifie. Je ne peux pas parcourir YouTube. Bon, je sentais que j'allais regretter. J'en vais en arrière. Donc la vidéo était une vidéo aujourd'hui où la personne fait un cours et puis à un moment donné ça bascule, c'est-à-dire on entend la même voix en train de parler dans une autre langue. Donc la même voix, c'est-à-dire qu'en fait l'apprentissage automatique a été capable de faire trois choses. A été capable de faire de la transcription, donc de récupérer la voix, de faire de la traduction, donc de traduire, et de faire de la synthèse vocale, mais en utilisant le timbre de la voix de la personne qui parle. Donc si je dis ça, c'est parce qu'au niveau éducatif, on a toujours l'impression que là, on est entre Français, qu'on peut travailler là. En fait, demain, les contenus des différents pays vont arriver de façon totalement non distinguée. D'accord. Les progrès de la traduction automatique, malgré ce qui a été dit ce matin sur le fait que c'est loin d'être parfait, vont être largement suffisants pour qu'on soit inondé, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin qu'on va avoir devant nous des ressources éducatives qui viennent d'un petit peu partout. Parce que bah, finalement, si j'ai le timbre de la voix, si je suis obligé de lire des sous-titres, bah, ça va assez vite fonctionner. Voilà, justement, parce que le titre de la session, c'était quand même la langue, dire que sur ces questions d'IA et d'éducation, la langue est un secteur de pointe. Alors pourquoi? Bah, parce que c'est un des secteurs sur lequel il y a beaucoup de données. Donc les images sont un secteur sur lequel l'intelligence artificielle a beaucoup avancé parce qu'on a eu, et là aussi on a vu dans l'exposé ce matin, on a vu plein d'images, mais sur la langue, on les a eues. Alors au début c'était un peu poussif, je me souviens que les chercheurs faisaient des travaux en prenant les actes du Parlement européen. C'était le truc très typique parce que c'est un des rares trucs où on avait la traduction sur plusieurs langues. Mais aujourd'hui, il y a tellement de volume de data mais que c'est devenu très très riche. Bien sûr, pas toutes les données, pas toutes les langues. Il existe des langues dites sous-dotées pour lesquelles il va se créer une différenciation, un préjudice. Donc il y a des vrais succès, donc l'aide à l'accessibilité et des vrais espoirs. Donc là, ce matin, il était question d'un système multilingue. Rapporter une petite expérience que nous, on a eue
En mai dernier, on a organisé une conférence à Nantes sur Open Education Global. Donc, c'était un congrès international avec des gens du monde entier. Et on avait décidé de rendre ça multilingue. Donc, on avait pris les 6 langues officielles des Nations Unies. Ensuite, bon, les Chinois ne sont pas venus, donc ça nous résolvait. Les Russes ne sont pas venus, ça nous résolvait aussi certains problèmes. Donc, on s'est retrouvé avec 4 langues. Mais le but était que chaque conférencier puisse exposer dans sa langue et qu'on utilise les outils de l'IA pour bon, permettre, à travers un nuage de mots ou à travers une traduction simultanée. Le but n'était pas, et encore une fois, on n'est pas en train de dire « je suis capable avec méticuleusement de dire ce que la personne, enfin de traduire ». Par contre, on était capable de faire en sorte que la salle sache de quoi la personne parle. Un peu comme vous, quand vous parlez moyennement une langue, vous avez du mal à savoir ce que la personne dit exactement, mais je sais de quoi elle a parlé. Donc c'était ça l'ambition qui était là. Et c'était une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai eu des gens d'Amérique du Sud et de pays arabes qui ont pleuré. Parce que c'était la première fois qu'ils pouvaient aller à une conférence internationale et s'exprimer dans leur langue. Donc on est très très loin technologiquement du etc. Mais on sent que là-dessus, parce qu'on ne peut pas tous se payer des traducteurs, mais on sent que là-dessus qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire. Voilà. Mais bon, ensuite, il y a les gros monstres qui sont arrivés. On a le GPT-3, on a DeepL, voilà. Et donc, derrière, alors si, je vais peut-être presque conclure là-dessus, c'est le secteur des langues et le progrès qui est en train d'être fait qu'on peut se questionner la vraie question méchante, à quoi bon apprendre les langues? Alors attention, le fait de poser ces questions ne veut pas dire que ma réponse c'est « rien, ça sert à rien ».« I can continue in English, or puedo seguir en español si quieres ». Je suis obligé de faire ça parce que la dernière fois que j'ai fait cet exposé, je me suis fait traiter de tous les noms par les linguistes. D'accord? Parce que poser la question, c'était nécessairement être contre les langues, pas du tout. Donc le but là, c'est, alors pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'on l'a posée dans la rue, pas tout à fait dans la rue, on avait une journée portes ouvertes à Nantes, et puis on avait des gens qui sont venus, et j'ai fait une activité dans laquelle j'ai commencé par m'expliquer qu'il y avait des métiers qui étaient en train de changer, des métiers qui allaient disparaître à cause de l'IA. Et ensuite la question, naïve, faussement naïve, c'était, si vous regardez le programme du baccalauréat, de votre baccalauréat, qu'est-ce qui est devenu obsolète à cause de l'IA? Alors, vous faites une colonne avec ce qui est obsolète et faites une autre colonne avec ce qui, au contraire, devrait se retrouver renforcé. Il y a eu unanimité pour les langues vivantes, hein, pas pour les langues mortes, pas pour le latin et le grec, d'ailleurs pour les langues vivantes dans la première colonne. Je suis désolé, hein, je sais que pour les nombreux linguistes ici, ça fait mal. Et alors, dans le débat qui était suivi, c'était que, malheureusement, c'était pourquoi est-ce qu'on enseignait les langues? C'était tellement utilitariste, les arguments qui étaient utilisés. C'est tu en prends une langue parce que tu en as besoin, parce que l'anglais, sans l'anglais, tu ne réussiras pas. Enfin, ce genre d'argument-là se retrouvait confronté à la réalité, c'est-à-dire le fait que ce qu'ils recevaient, eux, c'était Netflix faisait ça très bien. D'accord? Et puis Google promettait d'avoir ça dans les lunettes. Et puis, il y avait toute une série d'arguments qui faisaient que les arguments utilitaristes ne fonctionnaient pas. Bon. Je vais juste arrêter sur celui-là. J'ai fini ça, combien de temps? 2 minutes? 2 minutes. Donc, mon dernier transparent, ce serait celui-là. Donc, les points durs, c'est-à-dire les points sur lesquels, quand on a fait cette discussion sur l'IA depuis ce matin, et que j'avais envie de réinsister, c'est de dire que, on a envie d'eux, mais en fait, ça va être très difficile. On avait envie, ce matin, on a parlé de intelligible ou de IA intelligible. Alors, parfois, on utilise d'autres termes, human-centered, l'IA centrée humain. Dans le cas qui nous intéresse, celui de l'éducation, on va mettre teacher in the loop. C'est-à-dire, on veut que l'enseignant, à tout moment, garde le contrôle de son IA. Et tout ça, ça semble très bien. Mais entre l'industrie qui nous propose des outils de plus en plus faciles à utiliser, et puis nous-mêmes, nos propres défauts, c'est terrible. Donc, je donnais un de mes exemples favoris, c'est celui de Waze, que vous utilisez peut-être pour conduire, et en quelques années, ou en quelques utilisations de Waze, vous devenez juste quelqu'un qui ne regarde plus la carte, qui suit Waze. Et avec des conséquences, y compris cognitives ou neuronales. C'est-à-dire, on sait que c'est en train de changer notre façon de réfléchir. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose pour un enseignant? Pourquoi est-ce qu'un enseignant ne se retrouverait pas en train d'utiliser le Waze de l'éducation demain, qui lui dirait de faire telle ou telle chose, mais n'arriverait pas à se poser les bonnes questions? Donc, un des buts du projet AIFETI, c'est d'essayer d'expliquer à l'enseignant quelles sont les questions qu'il devrait pouvoir se poser. Donc sur les biais, je ne vous dis pas, parce que finalement la discussion sur attention aux biais, elle a eu lieu et c'était très bien.
Puis le dernier point dur, c'est les humains, on a le contrôle. Ça, je l'ai entendu ce matin. Bon, j'y crois pas du tout, mais bien, ça fait. Voilà. J'y crois pas parce que c'est. Enfin bon, je rentre pas dedans. On garde le contrôle sur des applications très simples, d'accord. Mais plus les applications d'IA sont en train de devenir complexes, et plus c'est difficile. Et surtout, à partir du moment où, même si on a un contrôle théorique, si en fait on lâche le contrôle volontairement, comme le cas de Waze, mais on sait que c'est le cas aussi des médecins, malheureusement. Aujourd'hui, on commence à avoir des études dans lesquelles on a un système d'aide à la décision pour les médecins, où on s'est toujours dit, le médecin, mais attention, voilà, c'est juste des aides à la décision, c'est vous qui prenez la décision. Puis on se rend compte que systématiquement, enfin, le médecin ne se posait même plus la question, il n'avait pas le temps, il a trop d'autres choses à faire. Pendant ce temps-là, tiens, tu as un système d'aide à la décision, tu as besoin de moins de temps pour réfléchir, puisque tu as un système d'aide à la décision. Et donc, le résultat des courses, c'est que bon, le système d'aide à la décision, c'est lui qui prend le contrôle. Donc, on a vraiment des efforts à faire, et vous avez des efforts à faire avec nous, hein, parce que c'est technologiquement, on a du mal à imaginer les solutions. Elles existent peut-être, mais c'est pas que technologique. C'est trouver des façons, effectivement, que le programme que tout le monde veut avoir de garder l'humain dans la boucle se fasse vraiment. C'est pas si simple. Merci. Alors, nous allons écouter donc l'enregistrement de la communication de Pierre Martinez. Je vous propose à la fin de poser les questions après les deux interventions. Donc Pierre Martinez donc, est professeur émérite en sciences du langage et didactique des langues à l'université Paris 8 Saint-Denis. Et il est chercheur associé au DILTEC donc de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et alors notamment, il a de multiples activités, mais notamment deux publications, qui ont attiré notre attention. D'une part, un ouvrage que vous connaissez peut-être, La didactique des langues étrangères. C'est un que sais-je, qui est à sa 9e réédition. Et puis, Un regard sur l'enseignement des langues, un ouvrage publié en 2018. Voilà. Alors, avant que Pierre puisse répondre aux questions qui lui seront posées, donc on va écouter sa communication qui a été enregistrée. Très bien. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Je suis désolé de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je ne vous en remercie pas moins de m'avoir invité. J'essaierai d'ajouter quelques idées personnelles au thème de la rencontre. Ma contribution n'est pas celle d'un toutologue. Je me limiterai à parler de ce que je connais un peu, l'intelligence artificielle en éducation, avec pour terrain précisément celui des langues. D'emblée, j'inscris l'IA dans ce qu'on appelle depuis Rocco et Bainbridge, vous le savez peut-être, les Nano-Bio-Info-Cogno-Innovations, NBIC. Quelle perspective la convergence des technologies, nano et biotechnologie, information et sciences cognitives ouvre-t-elle à l'éducation et quel impact peut-il en résulter pour le fonctionnement et l'état de notre société? Voilà la question que je me poserai. L'IA va bien sûr emprunter les habits classiques des options éducatives. Le fonctionnel d'abord, il s'agit d'agir dans l'échange économique et sociétal, par exemple dans l'entreprise ou dans une ONG. Le citoyen, se cultiver, comme depuis Jules Ferry, pour mieux se comporter, s'épanouir et vivre ensemble. Enfin, l'humaniste, défendre et étendre des valeurs et des principes estimés, à juste titre ou non, universels. Je vous proposerai quatre angles d'approche pour faire simple. Les orientations actuelles des recherches en éducation, d'abord, l'enseignant médiateur en mutation, ensuite, les pratiques, leur hyperdiversité, leur interactivité, les transformations curriculaires, ce que j'appelle une réticularité didactique, plus quelques considérations autour du dialogue social. Parlons d'abord des orientations de recherche en éducation. Il me semble qu'elles peuvent porter sur trois directions. La personne d'abord, son profil socio-cognitif, sa motivation, ses compétences, son parcours. Deuxième orientation, le projet. Par exemple, l'acquisition d'une langue étrangère, pourquoi faire? Troisième possibilité, l'environnement d'enseignement, enseignement-apprentissage en construction.
Je vais me risquer à rappeler quelques possibilités offertes par le numérique et dont on parle beaucoup. Les outils collaboratifs ou de communication sont d'ores et déjà visés dans leur ambivalence comme instrument d'aliénation pour les chercheurs. Je pense à un article d'un syndicat SNCF-FSU, pour ne pas le citer, d'octobre 2022, particulièrement éloquent à cet égard. Deuxième exemple, les grandes enquêtes menées par ICILS, Literacy, Pearls Reading, PISA, etc., qui suscitent tout autant de critiques méthodologiques, à peu près autant que le classement de Shanghai. Troisième exemple, il y a bien sûr la traduction. Tout le monde y pense. La traduction et l'interprétation automatique, dont les progrès sont considérables et continus, et donnent à s'interroger sur la nécessité de l'apprentissage linguistique, même si les systèmes idéogrammatiques posent des problèmes. Dans les langues asiatiques, ces systèmes sont aujourd'hui décryptés et oralisés. Un dernier exemple, si vous voulez bien, le savoir et la créativité. On connaît le rôle du deep learning, l'exploitation des données récurrentes et corrélées, pour alimenter les algorithmes de recommandation ou de création, de synthèse, de réécriture. Dès 2017, le robot Todai surpassait à l'examen écrit 80% des candidats pour l'entrée à l'Université de Tokyo. Et nous savons tous comme l'évaluation devient difficile et la fraude facile avec Wikipédia, AI Experiments ou DALL-E 2. Je m'arrête ici, certain que beaucoup a déjà été dit aujourd'hui sur ces questions. Je voudrais parler un petit peu de l'enseignant, un médiateur en mutation. Dans l'intelligence artificielle et la formation des enseignants, il va y avoir un travail collaboratif de spécialistes de l'IA, de didactique et des sciences de l'éducation. J'insiste sur ce point. Aucun de ces secteurs, aucun de ces types de spécialistes ne peut avoir la priorité. L'IA est inducteur d'une nouvelle médiation, de la transmission à la prévention des conflits. Une de nos collègues, Emmanuelle Huvert, a longuement souligné cela. De la transmission à la prévention des conflits, voilà le rôle du médiateur. Alors, ses limites, c'est l'intransférabilité des notions. Par exemple, celle de citoyenneté est extrêmement difficile à faire voyager. Le sens des mots, surveiller et punir, façon Foucault. Et les limites des outils, l'usage en classe de la caricature dont on sait les ravages qu'il a pu provoquer. Face à un environnement souvent difficile, un programme d'accompagnement d'apprentissage personnalisé s'impose. Par exemple, des modules d'évidence B, comme les développe Thierry de Vulpière. Et bien entendu, pour l'enseignant, va se poser la question inévitable. Avec le robot de téléprésence mobile qui le remplace en cours, avec l'assistant personnel de l'élève qui ne perd jamais son calme et répète autant que nécessaire, avec l'éducation ouverte, l'enseignant est culpabilisé s'il ne diffuse pas gratuitement le fruit de son travail. Quand un footballeur monnaie juste sa présence, cet enseignant ne va-t-il pas bientôt être inutile? Troisième point, les pratiques. Je note, je l'ai signalé, leur hyperdiversité et leur interactivité. Des études comme Hélène, évaluation longitudinale des activités liées au numérique, faites à la DEP, les DEPP, vous connaissez, en donnent une idée. Le scroll chez les usagers est infini. Hyperdiversité n'implique pas ouverture d'esprit et esprit critique chez des nomophobes, des gens qui ne peuvent pas se passer de leur mobile. Dans ces pratiques, il y a toujours ou très souvent une forte dimension ludique. Mais même sur Twitch, on commence à voir des streamers mêler jeu et savoir. Je pense à Maudit en sciences politiques. Alors, le jeu vidéo est-il un facteur de meilleure concentration transposable en pédagogie ou affaiblit-il à l'inverse le goût de l'effort? La question, me semble-t-il, c'est d'aller du quotidien au pédagogique. On peut imaginer des dispositifs d'observation, une captologie, par exemple avec OSINT, Open Source Intelligence. Il y a des recherches en SHS
qui sont faites à partir des sources ouvertes et des traces numériques. On peut parler encore d'un retour des manuels intelligents. Je pense à un article de Peter Bousilowski dans AI Magazine. Voilà les pratiques. Maintenant, on peut parler un petit peu des perspectives. Ces perspectives de la recherche à une capacité d'influence me semblent douteuses. On s'oriente vers une connectivité développée qui dépasse l'individu apprenant avec des méga et des métadonnées croisées. On parlera d'entrepôts-données et des dispositifs d'analyse ou d'action innovantes. Ainsi, Algos Transparency est un projet qui se voue au numérique et à l'anthropologie. Il permet de mieux comprendre comment une information se construit et exerce son influence. Dans les rencontres comme le CES de Las Vegas ou VivaTech, ce qu'on va chercher, c'est des quick wins, des succès rapides qui pourraient être mis en œuvre en éducation. Mais il faudrait disposer d'analyses plus approfondies, me semble-t-il, dans la durée, pour en attester la validité. Vous savez bien que le Metaverse fait son buzz. Web 3, Worlds of Pure Imagination, Tech Trends, Meet Me in the Metaverse, avec notamment Horizon Workrooms, un espace collaboratif virtuel en open space au bord d'une plage. Un modèle éducatif qui recourrait ainsi aux sources et ressources ouvertes permet sans doute de sortir d'une culture en silo, ce qu'avaient amorcé Husserl et Husserl d'en construire le modèle éducatif du XXe siècle, peu avant mon propre ouvrage. J'en viens à celui-ci justement, mon hypothèse. Mon hypothèse essaie de se projeter plus loin, vers une réticularité possible. Ce qui ne veut pas dire que je vais me faire un ayatollah de la connexion sans l'homme. Je veux dire par réticularité une mise en réseau des données d'apprentissage, une mobilisation des moyens pour la construction d'un modèle de formation. Une mise en réseau des données d'apprentissage et une mobilisation des moyens. Le parcours d'apprentissage guidé ainsi est aussi choisi. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans un post-scriptum à mon livre « Darwin et les langues », dont j'ai fait ensuite un outil pédagogique. Je vous donne une brève idée des aventures de Darwin. Je voudrais faire un petit partage d'écran, je vous remercie de votre patience. Voilà. Alors, « Darwin et les langues », c'est un petit document pédagogique, je le répète, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de présenter à Bordeaux une première fois. Voici ce qui arrive à Darwinia. Très rapidement, encore une fois, il ne s'agit pas de travailler avec l'outil, mais de vous en donner une idée. Voilà les références, outils de formation. On verra dans cette fable un possible avenir de l'apprentissage des langues. Ce matin-là, Darwinia met son NBK sous son bras et rejoint ses copines. La petite bande file en flyball vers leur collège, etc. Le NBK est connecté. Il fournit à Darwinia toutes les informations nécessaires, fonctionne comme un assistant personnel vocal. Sur simple commande, il sait traduire, il stocke dans le nuage toutes les données qui concernent Darwinia. Grâce à ces données, Darwinia participe, autour du curriculum commun, à se fixer des objectifs, à s'auto-évaluer, à choisir des scénarios pédagogiques, à dialoguer avec la machine. Chaque semaine, elle fréquente un Fab Lab dans le quartier. Le groupe est entré récemment dans un village virtuel. Des avatars en costume, une mobilité hologrammatique. C'était chez Shakespeare. La visite leur rappelait le stage en immersion. Vous voyez la complémentarité des approches. Un petit groupe d'élèves a le projet de présenter à l'école une exposition. On va bientôt pouvoir organiser une classe inversée. Rien de très original, tout ça existe déjà, encore faut-il le faire converger plus que coexister. Ensuite, on structurera les acquis pour mieux les ancrer dans l'esprit avec des séquences d'activités plus formelles. Activités collaboratives également, bien sûr, on affronte la question du genre et du nombre en anglais et en français. La séance termine sur une sensibilisation culturelle.
Les élèves retrouvent un phénomène intéressant. La lune en allemand, c'est Der Mond masculin, le soleil, disent nœud, etc. Apprentissage précoce des langues étrangères inclus. La professeure, Madame Krohn, fait le point sur les difficultés, offre des remédiations, une connexion généralisée, instaure évidemment la fin du traditionnel une heure, une classe, un prof. L'école est un espace de rencontre. Cette semaine, Darwinia a gagné des points, version bilingue d'un ouvrage qu'elle a lu, travaille sur e-tandem avec un correspondant australien, jeu sérieux sur le thème du livre. L'ensemble des données fournies par l'activité de l'élève, ces mégadonnées, va aider à élaborer une pédagogie différenciée, adaptative, vous l'aurez bien compris. Seront pris en compte son biorhythme, ses goûts, ses attitudes, etc., etc. Tout ce que Darwin y a fait en dehors des activités communes est également enregistré et pris en compte dans l'évaluation. Ces activités sont notées automatiquement pour chaque période de cours, etc. Tout ce qui concerne son bien-être physique est également enregistré. Tout est évalué, contrôlé, dans son intérêt présent ou à titre préventif. Elle travaille sans peine et plus longtemps. En cas de besoin, un médecin de famille intervient. Et là, nous sommes sur un terrain glissant. On dispose aujourd'hui d'excellentes molécules pour augmenter la mémoire et la résistance à l'effort. Darwinia en profite. On est entré dans une nouvelle société, les objets sont connectés entre eux, avec les humains. Pourquoi l'école? C'est ma question finale, qui encore une fois n'est pas triomphale. Pourquoi l'école, et seulement elle, n'aurait-elle pas eu besoin de se repenser profondément? Voilà à peu près ce que j'ai voulu raconter dans Darwin. Alors, je reprends le cours de mon exposé en l'abrégeant probablement pour ne pas vous lasser. Vous avez compris, je voudrais théoriser un petit peu ce qui vient d'être présenté. Vous avez compris que l'architecture du modèle, ou une forme d'idéal type weberien que je propose, est inscrite dans un fonctionnement social et des finalités éducatives. Elle vise surtout à dépasser la vision techniciste que vous pouvez rencontrer dans l'adaptative learning, puisqu'on intègre digitalisation, neurosciences et intelligence artificielle. La conception, si vous voulez, est rhizomatique. Elle est dans le fil un peu de Deleuze et Guattari, et mille plateaux. C'est-à-dire qu'il y a de la linéarité, une connexion, de l'hétérogénéité des entrants, une multiplicité, une rupture insignifiante, c'est-à-dire qui n'est pas forcément immédiatement douée de signification, et une cartographie. Comme on le sait après Eric Sadin, l'individu tyran fin d'un monde commun, l'IA avec les capteurs est une instance propre à dire une vérité, dût-elle choquer. Mais son utilisation est variée, prédictive façon Minority Report, prescriptive comme en médecine, je crois que c'est assez connu. Elle peut être impérative comme c'est le cas dans le recrutement de personnel ou coercitive, quand il s'agit de fonctions au travail. Voilà à peu près un panorama d'une société industrielle finissante où l'on passe à une société des données. Le nudge est partout, comme incitation douce, coup de pouce à modifier des comportements. C'est ainsi que fonctionne l'éducation. Une vision systémique appelle la notion, à ce moment-là, d'intelligence collective, comme à Taïwan avec la ministre du numérique Audrey Tang, qui dit « Nous ne pouvons pas les battre, nous devons donc les rejoindre. » Il n'est pas question de se battre contre les traditionalistes, il faut les rejoindre et modifier les choses de l'intérieur. Il ne me semble pas imaginable que l'éducation se détache ici d'un monde complexe mais fluide, peut-être chaotique mais résilient, où elle doit jouer le rôle déterminant qu'on attend d'elle. Je ferai référence à la suite de Bruno Patino, directeur d'Arte, à une réelle successivité de l'IA. Il y a eu le rêve initial de John Barlow, très libéral, une utopie. Il y a eu l'économie du partage et l'intelligence collective. Mais celle-ci a été suivie d'une phase de révolte. Et maintenant, nous sommes dans une phase où l'on essaie le contrôle, l'élaboration d'alternatives.
Ça me semble être le plus important. Soyons lucides, estons un bon conseil philosophique, soyons pessimistes avec l'intelligence, mais optimistes par la volonté. Alors sur ce chemin, les aspects législatifs et juridiques d'une entrée effective de l'IA dans l'éducation sont complexes, faut pas se le cacher. Les affichages institutionnels ne m'en rassurent guère. J'ai connu les ordinateurs Thomson, livrés aux écoles, plan informatique pour tous, 1985, et finissant dans les placards. Je ne voudrais pas rester dans le flou à ce sujet. Je vois comme nécessaire la mise en place d'un référendum citoyen sur ces questions, de phases d'expérimentation limitées et évaluées, une diffusion volontaire choisie démocratiquement par les acteurs, collectivités, familles, étudiants. Le risque, bien sûr, avec la coexistence de deux systèmes, selon la volonté des uns et des autres, serait de creuser les inégalités. Mais la question ne saurait être éludée, sinon en éducation et seulement là, comme je le disais dans Darwinia, on devrait continuer comme avant. J'en termine par quelques conclusions. Ce qui me frappe, c'est la pauvreté du dialogue social sur le domaine, souvent limité à des cercles comme le nôtre. Elle est à expliquer peut-être par la routine, par l'ignorance, et par l'attention tournée vers d'autres priorités, avec lesquelles on ne voit pas immédiatement la relation. Automatisation, par exemple, versus travail humain, drone ou livreur de pizza à vélo. C'est sûr, il y aura des retardateurs, des distracteurs, mais pas d'opposition de fond, me semble-t-il, entre les dispositifs éducatifs et l'innovation possible. Il faut commencer par le dialogue avec les enseignants, pilier du système, et la formation sur le terrain, à partir des pratiques sociales existantes. Je sais l'hétérogénéité des contextes, j'en suis conscient. Il ne s'agit pas de tenir un discours scientifique, souvent ésotérique. La dimension éthique, ce sera peut-être mon dernier point, est elle aussi récurrente mais sous-évaluée. Le cas de l'enseignement du français, dans son historicité, a été abordé avec Emmanuel Antier en 2018, Sicuel Espet ou déjà Béaco en 2013 autour de la notion de responsabilité. Je le situerai surtout, ce cas de l'enseignement du français et en francophonie, dans le contexte d'inégalité, de fractures scientifiques, pour citer Mviondo, que connaissent nombre de pays en développement, notamment du Sud. Dans sa dimension francophone, la réflexion sur l'IA en éducation peut s'appuyer sur les dispositifs en place. Campus numérique de la UF, initiative de l'OIF, avec l'appui par exemple de régionales telles que le CREFAP dans une Asie à la pointe des technologies, programme de l'Institut français et de ses homologues d'autres pays. Mon hypothèse, vous le voyez, est que nous pouvons aller plus loin et sans risque majeur pour nos systèmes éducatifs. La question de la fenêtre d'Overton, que vous connaissez peut-être, doit être posée pour aller de l'impensable à la mise en œuvre d'une politique publique. Quelle conception de l'éducation pouvons-nous accepter aujourd'hui? Le modèle éthique de la centration sur l'humain, c'est l'approche communicative des années 70, a été repris par le projet éducatif du Conseil de l'Europe, présenté au début des années 2000, comme devant servir à la formation d'un citoyen européen, plurilingue et pluriculturel. Enfin, on laissera chacun juger de savoir si avec l'IA, nous sommes face à une catastrophe humaine, comme le proposent certains, ou l'avancent certains, ou au contraire si nous avons les moyens d'aller vers une renaissance humaine, comme le dit le futuriste Gert Leonhard. Je vous remercie de votre attention. Merci.